Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Nontensius, on se retrouve pour un nouvel épisode avec la Prusse. Le second épisode. Donc précédemment, nous avions réussi à défendre... Enfin, on avait commencé la campagne, surtout avec la Prusse déjà. On va commencer par ça. On avait un peu dégommé les armées polonaises, et oui, les armées polonaises n'ont pas fait long feu. Non, les Uhlans polonais avec les... Là, les super cavaliers avec leurs belles plumes n'ont pas fait long feu face aux fusils, malheureusement. Il semblerait qu'un fusil soit plus efficace qu'un cavalier. Il semblerait. Et donc actuellement, nous sommes aux portes de Varsovie, mais actuellement, nous sommes en train de nous battre à Dresde, en Saxe. Pourquoi? Parce que la Saxe est un état indépendant. Et le problème de la Saxe, généralement, quand vous jouez la Prusse, il faut que vous vous dépêchiez de la rusher. Parce que si vous la laissez entre les mains des Autrichiens, pas de besoin. Je vais pas devoir vous faire un dessin, non? Bon, ok. Si la Prusse perd, si les Autrichiens prennent la Saxe, eh ben, ils n'ont qu'une région. Ils sont à une région d'envahir Berlin. Et si je perds Berlin en tant que Prussien, je peux vous assurer que ça va être la honte. Alors, parlons-en de notre fidèle armée. Donc, nous avons des fusils, bien évidemment. Ce qui me semble une base pour une armée. Hein, enfin, je crois, bien sûr. Parce que en face, on a des hussards. Ouais. Enfin, bref, vous avez compris. Ouais, alors. On va déjà retirer notre cavalerie. Alors, je crois pas qu'ils ont l'artilleur en face. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec la cavalerie? Oh, quelle horreur. Oh. On va mettre tout ça ici. On va mettre nos canons. Alors, nos canons, est-ce qu'ils ont une bonne... Exactement, ils ont une bonne portée de tir pour se farcir l'ennemi. Ouais, bon, je dois avoir un problème au niveau du nombre de canonniers, parce que normalement, il devrait y avoir 4 canons, on en a que 2. C'est bien ça? Non, on en a 3, il y a un sérieux problème, là. En plus, on n'en a même pas affronté d'armée avec cette armée-là. Oui, c'est très français, ce que je viens de dire, mais faites attention. Oula, ouh, trop long, trop long, trop long. Si je fais une ligne comme ça, mes troupes vont se faire dégommer à la première salve. Et bien sûr, pourquoi... Je suis bête, quoi. Si j'oublie que mes soldats, ils peuvent se mettre derrière des abris. Alors, je mets pas mes canonniers derrière des abris parce que... actuellement, mes canonniers peuvent tirer comme ça. Or, si je mets des protections comme ça, ils sont méga dépendants du bon vouloir de l'ennemi. Donc, comme le jeu le dit très bien... Mais elle est également vulnérable aux attaques, pourrait sauver la mise sur le champ de bataille, oui. Voilà, donc si l'ennemi il arrive, mes canonniers ne peuvent pas tourner, puisqu'il y a des... Donc je prends le risque de perdre ma cavalerie comme un imbécile, enfin mes canons comme un imbécile, mais je prends le risque de sauver mes canonniers. Nuance. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer cette bataille, la bataille de la Saxe. On va voir si les Saxons... Oui, je pense que c'est comme ça que ça se dit, logiquement... sont aussi stylés qu'on le dit. Voilà, déjà, y a triche, ils sont cachés des reins. Eux aussi, ils ont des canons. Ah oui, apparemment, eux aussi. C'est de la triche. Ils sont cachés derrière une colline, monsieur le juge. Non, monsieur l'arbitre, ils sont cachés derrière une colline. Oh, je t'en prie, me fais pas le coup. Oh, ils vont me faire le coup du... On va mettre 150 ans pour avancer nos unités. Et voilà, nous sommes prêts à l'attaque. Bon, allez! Oh non! Mais non, mais le mec, il va mettre 50 ans pour franchir le champ de... Je vais plus rien dire par rapport à ça, parce que de toute façon... Donc, d'accord, ça, ce sont leurs canons. Alors, on note qu'ils utilisent des albardiers pour défendre des canons. Ok, bonjour à la maison, hein. Je suis sûr que les habitants vont râler. Les habitants vont préférer, ça continue. La barre est déjà en ma faveur avant même qu'on ait commencé à baston. On va arrêter le tir, parce que de toute façon, ils sont même pas à portée. Oh là là, je vous en prie les mecs, maniez-vous quoi. J'ai un épisode à tourner, j'ai une bataille à faire, j'ai une armée à éliminer, c'est pas compliqué. Ah bah voilà. Ah voilà quand on veut. Enfin, vous m'avez fait peur quoi. D'accord, j'ai pas vu à peu près. Ah mais à cause de la neige, on voit même pas où on... Jusque où mes artilleurs. Ah ok, mes artilleurs tirent jusqu'à l'infini à peu près, ouais bon bah... C'est un peu ça le problème. Ah oui, ça c'est bien mes obus. Oh attends, vise-moi ça. Je veux. Les mecs ils ont... Oula, gros lag. Les mecs ils ont vu que j'étais en train de les viser, ils ont fait... on va s'écarter. Ça c'est... Ça vous... Si vous visez une unité et que les mecs s'enfuient, c'est que c'est le général. L'IA fait toujours ça. Ils s'enfuient. Ils veulent même pas venir se battre. Allez. Allez quoi, un obus sur des paysans, c'est pas compliqué. Tu tires et voilà. Ah, voilà. Allez, on tire, les gars. Allez, la cible est juste devant. Pas besoin de le louper.
Allez, on le tire. Allez! Je vous ai pas demandé de tuer Gertrude et son gamin qui était dans l'unité, je vous ai demandé de... Oh, et puis zut! Ah, je vous jure, être à la tête d'une armée, c'est tellement compliqué de vous de nos jours. Les mecs, ils parviennent à tuer des femmes et des enfants alors que vous l'avez juste demandé de tuer les soldats qui se battaient. Ah, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est dur d'être à la tête d'une armée d'incompétents. Vous savez, on dit toujours que l'armée prussienne était des soldats très... Oui, oui, c'est vrai qu'on a toujours dit que les Prussiens étaient des soldats très disciplinés au point qu'ils faisaient qu'obéir aux ordres. Enfin, c'est malheureusement un gros cliché qui est resté... Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, c'était une valve. Non, comment on dit, une salve, pardon. Une salve de mitraille dans la figure et voilà. Voilà, on vient de démonter la moitié d'un village. Pas compliqué. Ils tirent, les gars. Ouais, ils sont pas... C'est qu'ils sont pas à portée, en fait. On se calme. Allez, tirez. Où on commence à prendre des pertes, ça devient lourd. Feu! Feu! Le principe de tirer au canon, c'est de... Ah bah voilà, les mecs, ils se contentent de regarder l'ennemi, mais faut pas faire ça! Quand t'es en pleine baston, tu observes pas l'ennemi, tu lui tires dessus à coup de canon. D'accord, les albardis qui vont charger mes canons. Allez-y, y a d'autres albardis qui vous attendent. Et c'est pas un peu stupide de passer au milieu d'un champ de bataille quand t'as déjà des unités qui sont en train de tirer au fusil? Oui, je crois que c'est complètement stupide, en fait, mais... Allez, tirez! Tirez! Mais tirez, bande d'imbéciles! Bon sang, on vous paye pas pour pas tirer au canon! Voilà! C'est pas compliqué, c'est comme ça qu'on tire au canon! Ils arrivent! Ils sont là! Ah non, c'est bon! Attendez, attendez! Ma blague est tombée à l'eau, ils sont tombés en déroute aussitôt! Allez, on reste en place, les gars! Non, on se met derrière la barricade, justement! Le concept d'une barricade, c'est que vous êtes protégés avec! Sinon, vous mourrez, tout simplement. Mais attends, mais ça tombe en déroute. Attends, les mecs tombent en déroute avant même qu'on les ait affrontés. C'est n'importe quoi, cette armée. Sérieux, c'est donc ça l'armée des Saxons? Les mêmes Saxons qui ont pillé l'Angleterre pendant des siècles? Bon, désolé de l'amalgame, ça se trouve, je suis en train de faire un gros amalgame comme un imbécile que je suis. Je suis en train de confondre les Saxons avec les Saxons danois. Vous savez, ceux qui ont pillé la moitié. Qui ont pillé une partie de l'Angleterre. Enfin, des trucs du genre, quoi. Allez, on tire au canon, les gars! Ah oui, leur général est bien déterminé à mourir. Bah, on n'aura même pas besoin de tirer au canon, en fait. Mais, qui se foutent de moi? Mais non! Mais c'est dégueulasse. Oui, on en a eu un! Attention, on a tué un cavalier ennemi! Le truc complètement ridicule. Chef, on a tué un killer cavalier! C'est bien! Maintenant, faut pas perdre le reste de l'unité. Oh là là, cette brochette de soldats qui fuit. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Ils sont tous en train de tomber en déroute. Oh, c'est un carnage. Bah, attends, va me descendre leur cavalier. Bon, l'avantage, c'est qu'on est sûr et certain, ils ont pas le mitraille. Est-ce que... Va falloir qu'on explique comment les mecs, ils ont aucune école. Ça, le problème, quand tu joues certaines nations, ils ont aucune école. Donc, tout, c'est impossible d'avoir... Mais non, mais tire pas sur le général. Tire sur les soldats qui sont là. C'est pas possible d'avoir un état-major d'incompétent, parfois. Et oui, excusez-moi pour l'épisode précédent, j'ai fait un gros amalgame avec les Italiens. Et en fait, on dit toujours que les Italiens ont été des incompétents, mais je me suis rappelé. Et ça arrive très peu souvent, quand tu tournes et que tu penses à un autre truc en même temps, tu penses pas souvent, enfin bref. Et j'ai exagéré le fait qu'on dit que les Italiens étaient des incompétents. C'est un gros cliché qui vient du fait qu'ils se sont fait gravement défoncer durant la Première Guerre mondiale. Et en vrai, les Italiens, bah c'était des combattants. Bah on peut facilement dire que toutes les armées avaient été incompétentes au final. Parce que les Français avaient des généraux pas terribles. En fait, comme on dit, c'est les généraux qui s'attribuent les victoires. Donc, ben, avant, c'est pas forcément les soldats qui sont des incompétents, c'est les généraux, parfois. Bon, je dis pas que les Italiens avaient de très mauvais généraux, mais parfois, il est vrai qu'ils ont pas eu les... Oh, oh, non, non, soit par contre, t'auras pas la peau de mes cavaliers. Ça insiste pas. Mais par contre, oui, faut voir, la Première Guerre mondiale, ils avaient les généraux italiens, Les généraux italiens étaient des nobles, donc du coup, vous donnez le commandement d'une armée paysanne à des nobles, ils vont avoir tendance à beaucoup sacrifier les paysans. C'est ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, notamment. Et aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que ça a beaucoup aidé l'arrivée du fascisme. Bah oui, une aristocratie qui fait que massacrer le peuple, qui ne sait pas diriger les soldats, ben ça entraîne l'arrivée au pouvoir d'une dictature, et c'est ce qui est arrivé. Le fascisme, il s'est développé parce que les paysans, ils en avaient marre d'être dirigés par des incompétents, des officiers qui... Mais non, mais qu'est-ce qui... Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tu vas continuer à poursuivre avec les canons qui te tirent dessus?
Hein? Tu vas continuer à me tirer dessus? Hein? Agrougrou! Bon, c'est même qu'à l'oignon, on gagne expérience. Dommage, est-ce que eux, je vais les supprimer juste après. Et génial, j'ai perdu un mec en en poursuivant. Ah, d'accord. Repli! 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 Attention! Tirez! Eh bien, évidemment, ça n'a pas eu le temps de sauver mon général. Bien sûr, ça ne peut pas sauver mon général. Grrr. Ça vaut la peine d'embaucher chez Canonier s'ils n'ont même pas sauvé leur général. Et donc, oui, je tâcherai à l'avenir d'éviter de faire des amalgames assez humiliants à ce que bon... Ouais, c'est vrai que faire un amalgame aussi horrible, c'est pas vraiment très sympathique, on va pas se mentir. Que... remettre en doute ce que bon... voilà, il m'arrive de dire des trucs que je regrette beaucoup et j'en suis encore désolé. Alors, bon. Revenons à cette bataille qui est tout aussi... qui est très intéressante, bien sûr. Alors, nous sommes des cavaliers provinciaux contre des cavaliers provinciaux. Le problème des cavaleries provinciaux et de nombreuses unités, ils ont le même skin. Regardez, il y a qu'un béret bleu, eux ils ont... moi j'ai des bérets bleus, eux ils ont des bérets verts. Attends une minute. Mais c'est Rambo ! Bah oui, vous comprenez la blague, parce que c'était Rambo, c'était un béret vert. Alors, on a des cavaliers provinciaux qui viennent d'éliminer les cavaliers provinciaux. Génial. J'imagine la pauvre femme, j'imagine trop un mec qui est coincé sous les décombres et qui fait « Aidez-moi ! Excusez-moi, on est juste en train de tuer des soldats. Bon, terminez votre bataille, venez m'aider parce que moi je suis pas en train de claquer. Je continue. Tant si je peux tuer quelques soldats de plus. Voilà. Voilà les albardiers, ça dégage. Bon, normalement, ça, ces trucs-là, c'est même plus censé être sur un champ de bataille depuis un long moment. Parce que, désolé, mais les albardiers, le concept d'un albardier, quand t'as des fusils, ben là, cette bataille a montré l'utilité des albardiers. C'est nul. Oh, magnifique. Magnifique coup de sabre. C'est le même sabre avec lequel on va sabrer le champagne une fois qu'on aura pris Dresde. Bon. Alors là-bas, ils sont en déroute, ils fuient, bien évidemment. Bon. D'ailleurs, je pensais à un concept intéressant. Est-ce que vous pensez qu'une fois que j'aurai réunifié l'Allemagne, je change l'intro? Parce que là, actuellement, c'est l'intro pour la Prusse. Enfin, c'est l'intro parce que c'est la Prusse. Mais est-ce que vous voudrez que je change l'intro? Pardon. Excusez-moi. Vos oreilles saignent en m'entendant mal parler français. Est-ce que vous voudriez que je change l'intro une fois qu'on a réunifié l'Allemagne pour une intro un peu plus en lien avec l'Allemagne? Bon, ça peut être intéressant, bien sûr, comme concept. Oui, je ne dis pas le contraire. Voilà, je peux vous dire, ça me fait du bien de rejouer à Empire Talwar, parce que ça fait un long moment que j'y ai pas joué, et en plus, ben, il y a des campagnes au final. En fait, ça faisait un long moment que j'y ai pas joué, j'ai l'impression d'être encore plus meilleur que la dernière fois que j'ai joué. Ben, en fait, quand tu joues au jeu Paradox, Darkest Tower et Heart of Iron 4, oui. Alors, je vous arrête. C'est pas la même chose, mais ça t'apprend des bases. Parce que Empire Talon, en fait les Total War, c'est habitué à un truc simple. C'est que tu te dis, bah c'est pas grave, si je perds une armée, je peux en recruter une. Sur Darkest Tower, t'as pas le temps de recruter une armée. Tu dois bien gérer tes troupes. Et Heart of Iron 4, c'est encore pire. Donc là, nos demi-canons tuent 83 soldats et nos régiments de chevaux 119. Bah ça va, on est d'une idée qu'on même pas tiré. Les mecs, ils ont juste vu la bataille. Alors 23 morts, 435 tués. Alors manquerait plus que les Autrichiens viennent me piquer la ville sous le nez, je vous assure que je... Anschluss! Oui, c'est pourquoi. Ah, on a les baïonnettes à tenon, c'est génial. Hein. Et on a pris Dresde en plus. Ah, voilà, il y avait bien intérêt. Et on a Frédéric Wilhelm. Enfin, Frédéric Guillaume, pardon. Pour les germanophones. La Saxe a été détruite, personne ne le regrettera. Johann von Barfus est mort. Oui, maintenant je me suis rendu compte que les. Mince, comment on dit les. Les ministres. Enfin, les mecs qui meurent, ce sont les ministres en fait. Alors lui, il est bon, lui, il est bon. Bon, lui, ça va. C'est bon, aucun n'est mort en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on est aux portes de Varsovie. Eh ben, on va aller assiéger Varsovie. Ah oui, tout d'abord, j'ai de la milice dans mon armée. Mais oui, c'est vrai que j'avais gardé des miliciens, mais qu'est-ce que... Aïe, Corix, c'est vrai que t'es vraiment un incompétent. Tu es le seul à garder dans ton armée des paysans. Vraiment, j'ai gardé des Pourquoi? Attendez, on est bien d'accord que je n'ai même pas pris la ville? Non, ça, c'est aussi un truc qui est bizarre. Tu assièges la ville, ils ont tout pété. Ah, c'est des casseurs! Ouais, les Saxons étaient tellement désespérés qu'ils ont préféré foutre le feu à leur ville plutôt que me la donner. S'ils veulent. Alors, il y a quoi? Il y a une maison de tolérance, enfin une maison close, comme on peut dire facilement. Et on a des mines de fer, ça me rapporte 1050. Magnifique. Magnifique, nous avons de quoi. Alors là, on a des carabines, ce qui nous fait des dragons. Ben, est-ce qu'on fait vraiment ça ou est-ce qu'on tourne sur du... On fait la physiocratie, tiens. Physiocratie, pardon.
Physiocratie, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ok. Ok, je m'en fiche un peu, mais merci quand même. J'imagine trop le Kaiser, il parle à ses ministres et les mecs lui font « Écoutez, Mme Kaiser, on devrait adopter une politique économique qui... Je m'en fous, on fait ça quand même. » Alors, Powell, les Picky. Alors, nous avons... Ah bah, les Hulans, que je parlais tout à l'heure. What? Ok, je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a un bug avec le H et le L. On dirait que ça fait un grand H. Cavaliers armés de longues lances qui les rendent particulièrement redoutables lors de la charge. Logique. Est-ce qu'on attaque Varsovie maintenant ou est-ce que on fait le siège? Non, surtout pas. Surtout pas. Qu'est-ce que je fais? Si je me trompe, Prusse test. Est-ce que vous savez, c'est par miracle que Overwolf fonctionne sur Empire Total War. Et ben c'est tout ce que je vais dire. Bon alors, passons ce tour et voyons ce qui va se passer d'intéressant dans notre ch'ti monde. Ouais, la France qui est en guerre contre l'Angleterre. Ok. L'Autriche. Alors l'Autriche, tu me prends Varsovie, je te jure que... C'est bien. Couché. Le Kaiser qui met en PLS l'empereur d'Autriche. Bien sûr, c'est pas parce que le mec... c'est pas parce que le mec c'est un Habsbourg que je vais respecter. Les As quoi? Non, vous voulez pas dire les Habsbourg? Moi j'aurais plutôt dit les Nasbourg. Oh, le Danemark a été annexé. Le Suédois, je crois qu'on va pas trop s'entendre. Si tu me prends le Hanovre, je te jure que Stockholm, demain je vais prouver que Stockholm ce sera allemand, hein. J'imagine trop les mecs qui sont devant l'ambassade, les membres de l'ambassade allemande de Stockholm. Alors maintenant, je suis désolé d'annoncer ça, mais Stockholm est allemand. Comment ça? Cette ambassade allemande a été construite en Suède. Oui, alors, ben désormais, ce territoire allemand. Ah, lettre de demande de la Saxe, bien sûr, c'est des catholiques, ils me détestent. Ah non, c'est des protestants, ils me détestent. D'accord. Travailleurs en grève en Saxe. Je suis à peine arrivé, ils veulent déjà que je dégage. Ouais, au niveau armé, ben, on va recruter deux unités pour tenir là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, c'est vrai qu'ils ont le prince Eugène de Savoie. Attention, ça fait peur. Ouais, bon, les mecs, ils ont aucune armée. Ça va vite se faire... Ils vont vite récupérer la ville. Concernant la Prusse occidentale. Ok, on dit plus Prusse occidentale que Prusse... On parle plus de Prusse orientale que de Prusse occidentale, si vous avez bien remarqué. C'est assez bizarre quand ils pensent, mais... Bon, de toute façon, les gens font comme ils veulent. Rien ne les empêche. Est-ce que je... Ouais, on va construire un opéra, c'est ça? Oui, un grand opéra. Toujours pensé, pour être honnête, que les opéras, ça te rapportait pas de fric. Parce que je me disais qu'un opéra, c'est... Je me dis, il y a plein de gens riches, donc je me dis, ils sont tellement riches qu'ils ont pas besoin de payer. Mais en fait, si, c'est complètement con ce que je pensais. Forcément, si tu veux aller dans un opéra, c'est comme au théâtre, tu vas forcément payer. Mais moi, j'ai toujours pensé que lorsque tu allais à l'opéra, quand t'étais un grand noble, un truc du genre, tu payais pas. T'es genre, la maison fait crédit. Non, comment on dit là? Oui, c'est la maison qui paye, voilà. C'est... Moi, j'ai toujours cru que c'était ça, en fait, ben... Pas tellement, c'est... Ben, le problème... C'est toujours drôle quand on se rappelle ce qu'on pensait quand on était tout petit parce qu'on repense à des trucs. On se dit aujourd'hui, mais comment j'ai pu être aussi bête? Mais parfois c'était vraiment rigolo. Je vous faut mentir, parfois on devenait drôle. L'Empire Mogol qui est devenu une république au passage, oui, parce que. Est-ce que j'en avais parlé dans l'épisode précédent? Mais Coric, tu radotes! Oui, excusez-moi, j'ai au bout de 400 vidéos, je suis déjà vieux! Ouais, non, ça arrive souvent, en fait, l'Empire Ottoman, les Berbères, les Barbaresques, voire les Mogols, ce sont les seuls pays qui à devenir des... Ok, ils ont pété la maison de tolérance, ils ont tué les PUTE qui étaient à l'intérieur, bah bravo, bravo, je félicite pas, surtout. Alors, ça me fait pas fait quoi, ça, déjà? Ouais, ok, physiocratie, crassie, pardon. Bah, on va faire les terrains communaux, voilà. Les gens vont être contents, au moins. Invention de l'orérie. Ok, ça c'est un truc, je m'en fiche. Franchement, je suis en pleine guerre, alors je sais pas en quoi ça va me servir, mais merci quand même. Ils ont pété ma maison de tolérance. Ah! Bon, alors les Ottomans, vous êtes bien une république, à ce que je comprends. Exactement, c'est une république. Alors, alors vous voyez bien le petit paradoxe, l'Empire Mogol qui est une république. C'est un petit bug, c'est un bug. T'inquiète pas. Alors, ce qu'on fait du commerce avec la Westphalie ou la Bavière, dans tous les cas. Ouais, mais la Bavière, c'est un peu les ennemis des... Ça va être mes ennemis bientôt. Bon, ben... Non, allez, commerce avec la Bavière, parce que si je dois entrer en guerre contre l'Autriche, autant avoir les Bavarois dans la poche. Et voilà, commerce avec les Bavarois. Et, oh bah, génial, d'une pierre deux coups, je peux faire le commerce avec les deux. Hop là! Puissance spectaculaire, je suis l'homme le plus riche d'Europe. Attendez, je peux juste revoir pour me rappeler à l'ordre. Allez, je suis au même niveau que la Russie. Hey, on est presque aussi puissant l'un que l'autre.
Eh ben, je pensais pas ça. Vous inquiétez pas, la Russie, on s'en occupera. La Russie, on va conquérir la moitié de la Russie, vous verrez. Pardon, je veux pas laisser la Russie dominer le monde. La Russie dominer le monde. Ce qui est assez bête pour penser à un truc pareil. Et voilà. Notre belle armée s'est reconstituée en aussi peu de temps qu'il faut le dire. Quatre, est-ce que... Purée, ils sont pas contents. Bon sang, vous êtes orthodoxe, vous êtes protestant, c'est pas compliqué. Et vous êtes corrompus, les catholiques vous corrompent. Parce que, bon, quand tu vois la différence protestantisme-catholicisme, si je peux me permettre, sans vouloir entraîner de gros débats religieux, non, 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 je vais pas entrer dans le débat. Y a encore mieux pour éviter de tomber dans la merde, ne mets pas le pied dedans. Voilà, c'est mon proverbe. Dans 3 tours, Varsovie se rend, et ils sont toujours pas morts de faim, très bien. S'ils n'ont plus de viande, qu'ils mangent de la vodka. Chef, vous êtes bien conscient que la vodka, c'est un alcool. Bah, ils ont qu'à la mettre dans la neige, comme ça fait de la glace de vodka, et ils peuvent la manger. Et les Français, ils étaient quand même, les mecs, ils ont 50 soldats, les mecs, ils ont 5 unités, ils attaquent une ville avec qu'on a 50 fois 1000, 150 fois plus. Et donc, je pensais pas à les Polonais qui viennent aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt être à moi, Varsovie. Va falloir s'habituer à parler allemand, bientôt. Ah bah bien sûr, je suis désolé pour vous, mais désormais c'est allemand ici. Bah oui, c'est pas la peine de me regarder avec des yeux de chien battu. C'est pas ma faute si moi j'ai envie d'annexer votre pays. Ah oui, un autre truc que j'avais remarqué sur Empire qui est un peu énervant, c'est quand, avec certains pays, quand vous faites des révolutions et que vous devenez des républiques, c'est les mêmes drapeaux. La Perse, quand vous devenez république, c'est le même drapeau, et c'est nul! Parce que bon, un peu de logique quand même. Vous imaginez vraiment les révolutionnaires? C'est bon, on a renversé la dictature, vive la République! Alors chef, est-ce qu'on garde le même drapeau? Le même drapeau, pff, non mais regardez-le, lui. Il veut qu'on garde le même drapeau? Bah bien sûr que non. On va en prendre un autre, parce que c'est plus beau au moins. Alors on a une révolution, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comme je m'attendais, c'est. Bien sûr, ils sont à l'autre bout de la Saxe, les mecs pouvaient pas. Non, non, on va arriver à l'autre bout du pays, ça va être encore plus simple. Ah, génial. C'est le pire truc que je déteste, c'est quand les mecs, c'est sur une super région grande, et les mecs, ils arrivent à l'autre bout. Au calme. Oh, on peut recruter des Uhlans. Chef, les Uhlans, c'est pas polonais à la base. Oui, mais on va dire que le jeu, il s'est gouré. Allez, on va se mettre juste là, comme ça, si l'autre, il se ramène, t'es obligé de passer là. Ah, tu vas pas avoir le choix, mon coco. L'armée prussienne va te tailler les dents avant même que tu aies le temps de mâcher. Ok, je commence à me demander. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a réglé le problème ici. Est-ce que j'envoie mon prêtre ici? 64%, c'est de bons protestants. Allez, on va convertir les Polonais au protestantisme. Ah, ça commence bien. Bien sûr, je ne vais pas laisser les Polonais subir encore plus les affronts du pape. Cet homme. Comment faire une bonne blague sans qu'elle entraîne une polémique, sans que tu te fasses massacrer par des haters? Ah, c'est toute une question, mais je vais laisser. Il y a les Anglais qui vont débarquer en France, peut-être? Donc la France, les Français qui survivent, mais les mecs, vous avez aucune armée, vous parvenez à gagner quand même. À ce rythme-là, il y aura une unité d'infanterie. Tu veux une alliance? Non. Regarde-moi, je suis plus puissant que toi en plus. Et ben, tu peux m'attaquer si tu veux, mais tu vas voir, je vais pas me laisser faire. Oula, attendez, il s'est passé un truc en Russie. Attendez. Non, c'est pas possible! Mais si! Moscou est tombé entre les mains des Suédois! Oh mon Dieu! Il y a des unités d'élite de soldats avec des harengs qui paradent sur la place rouge! Quelle horreur! Quelle horreur! Moi qui, justement, avec la Russie, j'avais essayé d'éviter cette situation, je me dis. Ah bon sang, Coric! Ah là là, Coric, t'aurais jamais dû faire ça! Mais si! Je suis tombé dans la. Oh là 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 là! Ah, ça sent pas bon du tout, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui ont disparu? Ah oui, deux factions sont mortes. La Savoie est morte, c'est la France. Oui, les Français ont annexé la Savoie. Bon, ça me semble historique. Les Pays-Bas sont morts. Et voilà, la cinématique fonctionne. Bon, que c'est pour voir Jean-Michel qui. Jean Van Michel qui meurt agonisant sur le sol, c'est pas la peine. Franchement, on a d'autres trucs à faire. Ah, j'ai d'autres choses à fouetter que voir un mec mourir sur le sol. Alors, justement, en parlant de sol, j'ai une rébellion à écraser, moi. Concernant Varsovie, comment ça se passe? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, moi, je suis content de pas prendre Varsovie dès le premier épisode. C'est un peu bête, sinon. Bonjour, c'est la mort. C'est sur place ou à emporter? Non, mais attends. Non, mais
Le mec, il allait se réfugier, il a demandé l'asile politique à la Westphalie. Ah oui, c'est vrai qu'on est. Ah ouais, c'est vrai qu'on est frontalier avec la Westphalie, j'avais pas capté. Parce que je me disais, attends, la Westphalie, c'est à l'autre bout de l'Allemagne déjà. Ah, génial, il récupère. C'est le mec, là, bon chirurgien. Je me demande si en fait c'est un chirurgien pour lui ou un chirurgien pour ses hommes. Parce que si c'est un chirurgien pour lui, je peux vous garantir que ses hommes vont avoir très mal, littéralement. Bon, on va envoyer des troupes là-bas. Et les Polonais, ils me détestent. Attends, voilà, hein, tu m'aimes, vous m'aimez, vous êtes obligé de m'aimer, je suis plus fort que vous, vous ne l'êtes. Parce que la preuve, je vous ai annexé, donc on voit qui est le plus fort entre nos deux pays. Ah, qu'est-ce que je peux construire? Bah allez, on va construire un observatoire royal. En plus, le Kaiser. Non, c'est Frédéric II qui était un amateur des Lumières. Ah oui, ça, très peu de gens le savent, mais il a été copain avec Voltaire. Le même Voltaire ben, qui a un des responsables du mouvement des Lumières. Et je me souviens avoir lu, c'est horrible. Enfin, ce qui est drôle, c'est que le mec avait invité Voltaire en mode « Salut copain, ça va? Ils ont bien tapé des barres, ils ont appris quelques trucs ensemble. » Enfin, Voltaire lui a appris des trucs, genre ce que c'était être un despote éclairé. « Ah, attends, je dois pas tuer les gens? Non. Mais t'es sûr que je peux pas? Non. Donc je dois être gentil avec les gens, c'est ça. Ah, mais je comprends pourquoi les gens ils m'aimaient pas. » Voilà, t'as tout compris, Frédéric. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Frédéric II, vu qu'il était un fan des Lumières, enfin de la philosophie et tout, il a commencé à écrire des poèmes, enfin des trucs du genre. Et un jour, Voltaire lui a fait, bon bah excuse-moi, mais je dois repartir chez moi. Hein, c'est, écoute, cherche pas de logique, je suis appelé chez moi, je dois rentrer. Voilà, je dois rentrer tout ça. Il est reparti en France. Enfin, il est reparti pour la France. Et en chemin, enfin, alors qu'il était parti, Frédéric II s'est rendu compte d'un gros fail. C'est que Voltaire, il est parti avec tous ses poèmes. Est-ce qu'on fait la bataille? Bon, allons-y, prenons Varsovie, comme ça sera fait. Et donc, il est parti avec tous les poèmes de Frédéric II. Du coup, Frédéric II, il s'est chié dessus. Vous allez me dire, mais pourquoi il a juste écrit des poèmes? Ouais, mais Frédéric II, c'est un roi guerrier, alors ça fait un peu chochotte, si je peux me permettre, d'écrire des poèmes. Donc, vous imaginez la tête de tous les leaders européens, s'ils voyaient le Kaiser, le grand Kaiser Guillaume. Guillaume II. Frédéric II, le général soldat, enfin, je sais plus quoi son nom, qui massacre. Qui a gagné une grande bataille, écrire des poèmes. C'était la honte pour lui. Du coup, il a fait arrêter Voltaire. Voltaire qui est en mode, attends, quoi? Pourquoi il m'a fait arrêter? Vous êtes accusé de haute trahison. Quoi? Et le mec a été, je crois, torturé, il a été mis en prison. Enfin, c'est logique. Il était mis en prison puis torturé, pas l'inverse. Et il a été menacé de mort 3-4 fois. Lorsqu'il est sorti, il a dû se dire, ah, je pense pas que les Français et les Allemands, ça va s'entendre très longtemps. Bon, allez, je m'en vais. Ah non, mais en plus, Voltaire, il a fait un autre grand. Non, c'était Diderot, par contre, qui a fait un très long voyage en Russie. Ah oui, au moins il n'a pas fini au goulag. King, c'était la blague du Comintern. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui aussi, un autre truc que je voudrais bien tenter dans les prochaines séries, c'est qu'il y a des modes qui ont bien été. De nouveaux modes intéressants qui ont été faits sur Earth of Arcane, notamment le mode Fallout. Alors bon, je vais pas expliquer le concept de Fallout, je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment capables de comprendre ce qu'est Fallout. Sinon, si on ne comprend pas, vous tapez Fallout sur Internet et vous cherchez. Bon allez, je suis gentil. Fallout, c'est un monde post-apocalyptique où c'est du gros n'importe quoi. Genre, tu as par exemple un. Comment c'est le nom? T'as comme par exemple Las Vegas qui s'appelle New Vegas et qui est dirigé par un mec qui est cryogénisé. Oui, le mec il est mort depuis 100 ans. C'est pas grave, je continue de diriger la ville. Bon, par contre, c'est peut-être. Ouh, ouais, j'ai fait une grosse tactique. Ouais, je perds mes canons comme un imbécile. Et c'est ainsi que mes canons mourir comme des imbéciles. Oh! Ah non, je regrette pas mon coup! Alors là, c'était magnifique! Alors là, in your face! Oh oh! Mais tirez! Mon sang, ils sont juste face à vous! Et merde! Les mecs étaient juste sous votre nez, vous avez réussi à les louper, quoi! Vous êtes vraiment stupides! Puisque comme ça, je retire votre paye! Chef, on avait même pas de paye à la base! Bah oui, c'est pas grave, vous en aurez pas, comme ça! Comme ça règle le problème! Oh, je vous jure, quoi! Et oui, il y a eu Diderot, lui, il est carrément en Russie, donc. Je crois, je sais même plus s'il était allé à pied, un truc genre. Bon, déjà, c'est déjà dur d'aller en Russie, alors imaginez à pied. Hey! Putain, quelle idée de merde j'ai eu de mettre mes. Bim! Bim les hallebardiers! Et vous vous prenez pour Guillaume Tell ou quoi? Oh, et voilà, allez, les Suisses, ça dégage. Allez. Ah, vous pensez me faire pitié avec vos petits gants en velours là? Nous sommes des. J'aime trop les soldats qui meurent avec grâce, tu sais. Oh, je me suis pris une balle, mais je m'en fiche. Oh, ok. Allez, mourez! Bon, sinon, mes canonniers, vous êtes pas interdits de tirer, hein, je vous rassure, mais.
Alors là, ils vont prendre méga cher, les paysans. Ah, la paysannerie. Voilà, c'est ainsi que la Pologne connut une véritable famine. Ce qui est bien, c'est que... Quoi ? Mais vous pouvez pas les louper, cette distance. Alors, comment, qu'est-ce que ça donne ? C'est un véritable carnage. Ah, attendez, insère. Allez, mais tire-leur dessus ! Soldat, si tu ne tires pas... Voilà, ils sont sous ton nez, tire ! Mais non ! Tire ! Pourquoi il y a que l'officier qui est pas bugué ? Bon, ok, mes soldats, je suis désolé, mais mes soldats ne veulent pas tirer, voilà. Mes soldats vont chanter la chanson de Crown, voilà. J'ai des soldats pacifistes, tout simplement. Et bim ! Et bim ! Finir la bataille, on va continuer encore un peu, de toute façon, il n'y a plus rien. Eh, magnifique carnage, les Polonais se sont pris une raclée monumentale. Oh là là, oh là, ce carnage. C'est pas terrible, c'est pas vraiment beau ce que je viens de faire, mais bon. Bon, on va s'arrêter là, enfin, victoire décisive. Et je pense qu'au prochain épisode, on va tout régler par rapport à... on va tout régler ce qui va se passer actuellement à Varsovie. Bon, bah, un épisode plutôt énergique, je trouve. Qu'est-ce que j'allais dire, mon sang. Au final, on s'en est plutôt bien tiré, non? On a pris Varsovie, on va prendre Varsovie, pardon. Ils ont perdu 168 hommes, moins 24. Et même les... Et vous êtes... Alexander qui va dire à Powell, et au moins vous avez un tué plus de soldats que vos amis saxons. Ah oui, c'est un compliment? Non, ça veut dire que vous êtes aussi nuls qu'eux. Ah. Alors, mes canons, ils ont tué 60 mecs. En même temps, les mecs, en une volée, ils ont tué 50... Ils ont tué plein de soldats d'un coup. Voilà. Et c'est ainsi que Varsovie tomba entre les mains des Allemands. Et ça continue comme ça, cette série, ça va être un blitz. Je vais changer la règle par rapport à la France. Parce que vous vous souvenez que j'avais mis une règle par rapport à la France qui fait que je dois l'occuper jusqu'à une telle date. Mais si la campagne va à ce rythme-là... je m'enflamme, je vais pas trop m'enflammer. Parce qu'on est qu'à l'épisode 2, j'ai pris Varsovie. Je suis sûr qu'il y en a dès l'épisode 1, au bout de 20 minutes, ils ont pris Varsovie. Corrige, t'enflamme pas. Alors, les Pueblos, ça, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Indiens des Indiens Amériques? Je sais même pas si j'irai en Amérique. Enfin, si vous voulez que j'aille en Amérique, y a pas de problème. Écoutez, on va dire que le Mexique a toujours été allemand, et voilà. On gagne encore un espion. Et décidément, y en a que des espions. Et mais c'est l'Abwehr. Nous allons pouvoir espionner les trois quarts de l'Europe. Travailleurs en grève en Saxe, ils sont pas contents. Oh, le prolétariat, il m'énerve. M'énerve le prolétariat, jamais content. Et tout ce qu'il veut, il parvient à péter un câble. C'est incroyable. Pourtant, vous êtes même pas catholique et pourquoi péter un plomb? Oh, c'est inqualifiable. Bon, eh bien, nous avons pris Varsovie. Est-ce que les gens m'aiment? Moins 18, moins 25. Ça veut dire que les mecs me préféreraient être allemands, enfin, préféraient être n'importe quoi, sauf prussiens. Enfin, bientôt allemand, on peut dire. Bah, je trouve qu'on a plutôt une bonne tronche sur la carte, non? Voilà, regardez, c'est beau. Bon, ok, il y a la Silésie à récupérer, comme historiquement, mais bon... Alors, je pense qu'ensuite, on va attaquer la Galicie, la Biélorussie, puis la crotte qui s'appelle la Lituanie, pardon, aux Lituaniens. Et ensuite, on va faire du Kurzé à notre ami, parce que il y aura plus personne. On va faire du Kurzé à notre ami, je pense qu'on va même lui filer la Pologne. On va former les États baltes, ben, comme sur Empire, tout simplement. Et ensuite, on verra s'il faudra attaquer la Russie ou non, mais bon, vu comment est la Russie, on va les laisser tranquilles. Parce que les mecs sont en train d'agoniser, je vais les laisser mourir tranquilles. Je vais pas toucher. Ah, ça sent la guerre, hein. Vous voulez m'attaquer? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que si vous m'attaquez, vous allez regretter. Bon, donc bon épisode. Attendez, si je peux me perdre, si cela ne vous dérange pas, faisons un petit tour rapide de la carte. Alors, l'Espagne, il n'y a rien de nouveau. La France, alors, ils ont pris avec rien, quoi. Ouais, c'est que des protestants, ils vont se faire défoncer. Alors, en Inde, comment ça se passe? Ah, la République, tiens. Et c'est la République nous appelle. Sachez vaincre ou sachez périr. Ben là, c'est le cas. Alors, en Amérique, il n'y a rien de nouveau, à part que les Français et les Anglais ne font rien, bien sûr. Non, il n'y a rien de nouveau en Amérique. C'est à l'Ouest, rien de nouveau, voilà. Et donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.